En pleine tempête médiatique, Johnny Depp vient de s'accorder une pause musicale qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. En effet, le comédien actuellement au cœur d'une bataille juridique contre son ex, l'actrice Amber Heard, s'est échappé des tribunaux pour rejoindre un ami artiste sur scène, Jeff Buckley. Le dimanche 29 mai, l'ancienne interprète d'Eduardo Mains d'Argent ou encore Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes est donc venue prêter main forte à son acolyte à la surprise générale, alors qu'il se produisait sur la scène du Sheffield City Hall en Angleterre. Johnny Depp et Jeff Buckley ont joué et interprété ensemble quelques titres en effectuant des reprises. Ainsi, les compères chacun munis d'une guitare ont chanté Isolation de John Lennon, What's Going On de Marvin Gaye ou encore Little Wing de Jimi Hendrix. Dans l'instant, des images de leur performance ont fuité sur la toile et ont fait le tour du monde. Visiblement ravi d'accueillir Johnny Depp sur sa scène, le compte Twitter officiel de la salle de spectacle n'a pas manqué de faire remarquer l'apparition inattendue de celui-ci, eh bien. Quelle surprise hier soir de retrouver Johnny Depp sur scène avec Jeff Buckley. Un grand merci à lui pour nous avoir rejoints. Avant la reprise de son procès contre Amber Heard, Johnny Depp s'offre une performance sur scène lors d'un concert ces dernières semaines. Johnny Depp intervient au tribunal aux États-Unis dans le cadre de son procès contre Amber Heard. Il la poursuit pour diffamation et lui réclame 50 millions de dollars. La principale intéressée l'a contre-attaqué en lui demandant quant à elle 100 millions de dollars. Les délibérations du jury reprendront le mardi 31 mai 2022.